Ok. Bon. Me demandez pas comment je me suis retrouvé dans cette situation. J'ai commencé à faire ma prog vers ici, quoi, tout simplement. Mais je pense que ça a pas passé cette histoire-là. Je pense que ça ne va pas passer au bout d'un moment et je pense que je leur garde manger en fait. Et dès que je vais quelque part, ils me suivent. Voilà, du coup, ça pue la merde. Ça pue, ça pue, ça pue. Surtout que, en gros, les adultes, ils sont tranquilles, mais les jeunes, ils veulent me mordre, en fait. Faudrait que j'arrive à m'enfuir. Là, je suis prisonnier, en fait. Oh là, y a plus personne qui me regarde. Est-ce que c'est le moment? Ça serait trop cool. En vrai, ça fait au moins 20 minutes que je suis avec eux. Coucou. Tu m'as pas vu, hein? Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu m'enfuir. Je suis juste allé manger, mon pote. T'inquiète. Il me regarde, hein. Le truc, c'est que si je m'enfuis, il me tue, 100%. C'est une putain de plaine quoi, on voit rien, on voit tout ici. Y en a toujours un qui me surveille. J'ai l'impression d'être en prison. Là, faut que j'arrive à atteindre la forêt. Après, je pourrais disparaître. Avec un peu de chance, il se mettra à pleuvoir. Et je serai sauvé. J'atteins la forêt. Plus personne ne me voit. Ouais, je crois. Là, faut que je me casse. Faut que je trouve un endroit un peu plus safe, je pense. Ouais, en gros, j'ai spawn à la plage. Bah, vu qu'il se passait pas grand-chose. Voilà quoi. Je suis à combien? Je suis à 87% de prog. Voilà, on va essayer de viser un endroit beaucoup plus calme qu'ici. Mais ouais, je vous ai faussé compagnie, mais. Pas le choix, les gars. Vas-y, c'est quoi ce lac de merde? Ouais, c'est sympa, mais je pense que je leur servais juste de garde-manger quoi. Donc, hein, s'arrache. On va aller dans un endroit beaucoup plus calme. Le truc, c'est que j'espère qu'il va y avoir de l'eau par là, de l'autre côté, là. Là où je regarde. Ouais, du coup, en fait, j'ai spawn à la plage, je suis passé par Twins et je voulais aller direct vers Northernmost et la grande cascade qui tombe dans la mer là. C'était un peu l'objectif. Du coup, j'enregistrais pas, ça servait à rien quoi. La prog, bon, voilà. Je comptais enregistrer dès que je serai là-bas. Mais du coup, il s'est passé ça. J'ai été surpris en arrivant là-haut de voir tout ça. Il me traque, hein, en vrai. Je pense ça.
Faudrait que juste que j'arrive à passer adulte, quoi. Elle est là-bas derrière ces montagnes. J'aurais tranquille. Bon, déjà j'ai réussi à me sortir de là, ça. Putain, franchement, ça faisait tellement longtemps que j'étais coincé avec eux. C'est ouf que, genre, juste au moment où je filme, j'arrive à m'en sortir, quoi. Tant mieux, hein, tu vas me dire. Je me suis dit, ouais, go faire une proc buisson, tranquille et tout. Mais bon. Plutôt chaud, quoi. Je crois que je les ai semés, là. Je pense, hein. Bref, bon, on se retrouve là où je comptais être en paix. Voilà, tout simplement. Ok, bon, quand même, vous expliquez quelque chose. Dans le titre de la vidéo, il y avait écrit Event Diablo. Donc, bon, là, j'étais un peu en PLS début de cette prog Diablo, mais je vais vous expliquer un peu comment ça se trame tout ça. Du coup, en gros, l'idée, c'est d'aller sur le serveur Isla Nublar 4. Les guys et les girls, donc faire ça. Pour ceux qui veulent, évidemment, hein, donc c'est un event Diablo. Je vais dire les choses dans l'ordre, ce sera plus simple. C'est un event Diablo qu'on fait avec Lee. Voilà, où vu que sur Isla Nublar 4, le nombre de Diablo est illimité, on peut être pack en groupe de 200 sur le serveur, puisqu'il est limité à 200 places. Donc si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre vendredi soir, celui qui arrive là, ouais. Voilà, vendredi, je sais pas combien, mais bon, voilà, vous connaissez celui qui arrive, quoi. Et vous pouvez faire votre Diablo tranquille. Alors, le mieux, c'est qu'il soit adulte avant le live, hein, évidemment, c'est quand même plus simple pour tout le monde, disons-le. Et ensuite, bah, l'objectif, ça va être de faire un gros groupe de Diablo. Ça va être stylé, ça va être beau, on va défoncer du carnivore. Et voilà, en gros, c'est l'idée. D'où cette vidéo Diablo, les amis. En gros, c'est pour vous annoncer ça. Donc écoutez, on vous attend nombreux, tout se passera sur le Discord de Lee pour le vocal et tout ça vendredi soir. Vous nous rejoignez vendredi soir en vocal sur Discord et puis tout se passera bien, voilà. Allez bon, on reprend avec la vidéo, sachant que là il y a un giga qui est apparu ici et ça m'a saoulé cette histoire. Vas-y! J'ai un giga qui habite au même endroit que moi, c'est sérieux là? Regardez comme il est beau, n'empêche. Il a les yeux assortis au point. Il est trop beau, mon Diablo. Non? On le trouvait pas magnifique? En vrai, moi je le trouve magnifique. Bon, bah, du coup, on est passé adulte. 1600 kilos. Oh, 175 newtons de bonne force. Et il balance. Il a dit à l'admin qu'il était en train de. Que je lui faisais des cols 3, genre. C'est incroyable! Aïe aïe aïe, ça me dégoûte. Je vous jure, la communauté de ce jeu me sort des yeux, quoi. Alors au début, je la trouvais cool. Mais en fait, les joueurs sont des p. C'est incroyable. Ah, bon, du coup, ça va, on a juste été viré du serveur sur le moment, mais on a pu le réintégrer. Bon, quand même, ça rend fou quoi. Putain, les mecs, quoi. Dès qu'il se passe un truc, ils reportent, c'est un truc de malade. C'est quoi ce comportement là? Sérieux? Eh, franchement, j'espère que vous là, ceux qui me regardez, vous faites pas ça. Hein. Sérieux, c'est le truc qui rend fou quoi. Jouez votre jeu et là, y a rien de grave. Y a un carnivore qui me fonce dessus et je dois rien dire, genre. Genre, un cri agressif, c'est rien, je l'ai pas attaqué. Enfin, bref. Bon, du coup, on a bougé, on a trouvé un autre pote Diablo. Rache et puis voilà, on va continuer la proc tranquille, hein, tout simplement quoi. Et Drake m'a rejoint, il est là-bas. Enfin, il est pas très loin, je pense. On va continuer la proc tranquille, sans souci, avec Ratch et Drake à côté de nous. Voilà, c'est la proc tranquille qui continue. Va manger un buisson quand même, histoire qu'il y ait un peu d'action. Vous savez, il va y avoir masse action là dans ces petites séquences. Vous verrez ça quand je vais rush un buisson pour le dévorer en entier. Ouais, le buisson qui est là-bas. C'est ma cible.
Le Diablo français, multicolore, qui rush le buisson. En 1v1, qui va gagner? Rage qui rush un buisson aussi. Incroyable. Le Diablo français qui fait un droit de gauche, qui contourne le buisson, qui lui crie dessus et qui l'attaque. Et voilà. Ok, bon, voilà, tout simplement. Hein. Ok, ça part en vrille, ça part en vrille. On a un groupe de merde, de Diablo. Et là, vous voyez Needle là-bas. Il a dit qu'il avait besoin d'aide. Bon, au passage, je suis à 91%, je fais 2 tonnes 8, 302 newtons by force. C'est bientôt fini, j'espère juste que je vais pas crever dans ce combat. Mais avec Rash, on part. Drake, c'est déco. On part pour soutenir. C'est quoi, y'a un truc qui a gueulé à côté de moi là? Qu'est-ce que c'est? On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On part en guerre, on part en guerre. Allez, Nibou. Tiens bon. Il fait un peu sombre là, mais. Heureusement qu'on a une stam de ouf aussi. On arrive Nibou. On est plus très loin, je crois. Ils sont juste là. Ok, il y a Stego là. Ils avaient dit qu'il y avait des carnivores ici. Bah du coup on a rejoint un troupeau. Ok. Pas d'avoir grand chose, hein. Tu nous as menti, Nibou. Par contre on a traversé la map en 2 secondes quoi. Bah ouais, on va aller dire bonjour à tout le monde. Coucou. 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 Ah, il y a l'Anki aussi, j'ai pas dit bonjour à l'Anki. Il y a un bébé Anki tout petit. Mais c'est qu'il y a du monde ici. Ça va. Y a d'autres trucs qui bougent là-bas, non? Oh, y a un gros Anki. Encore un bébé Anki, encore un bébé. Wesh. Ça va, toi, tu en fais des bébés? Y a un milliard d'Anki ici. Y a un truc qui cloche, non? Mais en fait, ils nous ont fait venir pour rien. Ils disaient qu'il y avait des carnivores qui les attaquaient, mais que dalle, y a rien. Bon, du coup en fait il y a un peu des carnivores. Je me suis peut-être trompé, mais en fait ils attaquent pas du tout le troupeau. Ça fait genre depuis 3 quarts d'heure que les mecs ils sont devant nous à s'entretuer. En fait il y a les raptors, il y a un groupe de raptors et un groupe de T-Rex qui se mènent une guerre sans merci. C'est sanglant, c'est sanguinaire, c'est incroyablement horrible d'assister à un spectacle pareil. Et surtout je comprends pas pourquoi ils attaquent pas le troupeau en fait. Genre je comprends pas pourquoi ils s'attaquent entre carnivores. Peut-être les raptors, ils ont décidé de tomber toute la famille, ils ont tué 3 rex déjà, 3, 2 subs pardon. Ils ont tué 2 subs, enfin bref, en gros, bah écoutez, c'était pour vous rappeler en cette fin de vidéo que ce Diablo sert à un event qui arrivera, vendredi. Donc voilà, n'oubliez pas de nous rejoindre si vous avez envie, oui je répète, je lag, j'ai des lags moi aussi, il n'y a pas que The Isle qui a des lags, bref. N'oubliez pas de nous rejoindre vendredi à partir de 18, 19, je sais pas trop à quelle heure, mais dans ces eaux-là quoi. Et puis voilà. Voilà, ça sera bien déjà. Ah bah du coup ouais, je suis à 100%.
Donc, du coup, ça fait 3 tonnes 250, 350 newtons de bite force. Ah, ça fait quand même une bonne petite bête, hein, ce Diablo. Hein. Et surtout au niveau saignement, il est vraiment vénère. Avec tous ces piquants qu'il a sur la tête. Bon, bah écoutez, on a enfin réussi à être adulte. Ce combat me semble interminable. Donc, bah, je pense qu'on va stopper là-dessus, les gars. Je pense clairement qu'on va stopper là. Donc, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et la suite sera en live. Allez, ciao, guys!